Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, suis humoriste et romancière. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et tous ceux qui me découvrent. Je vais très bien comme mes couleurs et je le souhaite pour vous. Je remercie déjà tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui apprécient ce que je fais. Aujourd'hui, je tenais à vous dire que j'ai apprécié que Nathalie Koa, ma nièce, reconnaisse les bienfaits du goléador camerounais. Parce que l'ingratitude n'est pas aussi bien. Si quelqu'un vous a fait du bien, même s'il y a un problème, reconnaissez déjà les bienfaits. Dieu aime ça. C'est une chrétienne et je suis contente qu'elle soit chrétienne. Parce que notre fille, une ignorante, n'allait même pas signaler ça. Parce que quand il y a un problème, les gens qui sont nés avec les problèmes, ils ne reconnaissent jamais les bienfaits. Donc, Nathalie, vraiment, je te remercie de l'avoir dit. Parce qu'il y a les hommes aussi ici dehors qui font les partouzes Ndia aux filles, même pas un centime. Je dis qu'ils te couillent Ndia, même pas dans 10 ans, même pas Havak. Il ne t'épouse pas, il te couille genre, et de ce quoi, il te fait une colonie d'enfants. Tu pars de là, et bonne. Même pas Habak. Donc, mon beau-fils est généreux. Et je lui dis de continuer comme ça. Il ne faut pas couiller les filles, genre. Je suis grossière. Vous voulez que j'utilise quel mot? Les mots, ce sont les mots de ma génération. Hein. Je ne vais pas changer. Moi, je n'aime pas dire baiser. Les gars couillent Dieu ici dehors. Il fait tout ce que vous avez lu là. Mais même pas Hibik. Donc, je tenais à dire aux petits sorciers du net, ça c'est ma canne. Que vous ne pouvez rien me faire. Je vais vous fouetter comme je vous fouette aller-retour depuis. Depuis que j'ai reçu ce trophée, ça ne va plus. Les sorciers se sont alors réveillés. Vous avez voulu qu'on donne le prix là à qui? Vous avez voulu qu'on donne ça à qui? C'est à moi. Même si on donne à quelqu'un d'autre après. C'est à moi qu'on devait d'abord donner. C'est à moi. Je remets mes lunettes Burberry. D'autres disent que je crâne trop avec mes bottes. J'ai encore remis mes bottes. La sorcellerie va encore recommencer aujourd'hui. Et ma canne est aussi Burberry. Aline Mbé. Hein? Je crains trop. Mon manteau est aussi Burberry. C'est dur. La jalousie qu'il y a sur Internet ici dehors. Tu te demandes. Les gens n'ont rien à faire. Vous n'avez vraiment rien à faire à ce point-là. Je porte mon pantalon. C'est toi que ça sert. Hein? Je porte mon pantalon. C'est toi que ça sert. Azambo. Vous allez dire que c'est pas Burberry. C'est Burberry. Azambo. Reste là. Tu m'as coûté cher. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne sais pas pourquoi je ne veux pas crâner. Qui doit crâner? Qui doit crâner? Je crâne avec moi-même. C'est toi que ça sert. Mouf, je suis ta mère. Aline Mbé, la femme qui fait trembler la toile. Je fais trembler les ignorants. Je fais trembler les ignorants. Moi, je vous ai dit d'être ignorant. Et d'autres trouvent pour excuse une excuse inutile d'ailleurs. Je n'écris pas mes romans. Qui écrit ça? Vous avez vos gars. Un homme peut écrire pour une femme. Ton gars, au lieu d'écrire ces choses, lui, il écrit pour toi. Que tu lui as donné quoi? Tu lui as donné quoi à ce point-là? Donc arrêtez d'être ignorant. Vous ne pouvez rien me faire. Injuriez-moi comme vous le faites. Mais si vous faites les vidéos avec des diffamations et des menaces de mort, je porte plainte. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Et je serai sans pitié.
Tu peux trembler. Je vais te porter plainte. Là, tu sauras que même si tu fais le poteau, tu ne dois pas prendre la cocaïne. Et dès que tu prends la cocaïne, c'est avec mon nom que tu te brosses les dents. Je vais te rectifier ton cerveau qui est entaché de brisures de riz. Il y a aussi deux autres. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Vous allez savoir que les femmes intelligentes, elles n'abordent pas les problèmes comme les ignorantes. Les écrits sont tolérés, mais pas les vidéos avec menace de mort. T'as pas besoin d'aller au collège pour le savoir. Mais la vie est ainsi faite, ça va se faire. J'ai mis à tel. J'ai mis à tel. Parfois, quand je suis très sérieuse, ça inquiète les gens. Moi, je suis comme ça. Quand je fais pas le show, je suis très sérieuse. Ne vous inquiétez pas, je suis très sérieuse. Je suis une femme de 48 ans. Mon âge n'a pas changé entre-temps. Non. Toujours 48 ans. Et je suis fière. J'ai choisi de vous faire rire. Si vous riez, je connais mon métier. Et comme vous riez, je connais mon métier. Donc je mérite ce prix. Je mérite ce prix. Je mérite ce prix. Mon métier, c'est de faire rire. Quand je vous fais rire, je connais mon métier. Je fais rire des millions de Camerounais. Et j'en suis fière. J'ai 1740 abonnés. J'en suis fière. De toutes les vidéos des humoristes camerounais, j'ai le triple de leurs abonnés. Pourquoi faire la jalousie? J'ai des millions de vues. Plus d'un million de vues. 1 250 000 exactement. Ce que les autres analphabètes de l'humour n'ont pas. De surcroît, je suis auteur de romans. Merci mon Dieu. Je fouette. Et il était temps que les femmes fouettent. Auteur de romans. De toutes les humoristes africaines, je suis auteur de romans. Mais regardez les CV. Parce que s'il y a une autre qui a écrit là, on va signaler. Je suis la seule, même chez les hommes. Je fouette. L'homme qui a trop écrit là, écrit un roman. Moi, j'en ai 6 et 23 nouvelles. Applaudissez. Applaudissez. Vous allez me faire quoi? J'ai la fente. Azambouom. Azambouom, j'ai la fente. Ma terre androïde. Vous allez me faire quoi? Je suis divorcée. Vous allez me faire quoi? Et les hommes même, vous allez me faire quoi? Moi, je suis une belle femme. Pour vous, la beauté, c'est quoi? C'est les dents. Moi, je suis une belle femme. Avec mes dents. Aline Mbé. Aline Mbé. Aline Mbé, miaque, miaque, réseau social. Aline Mbé, Aline Mbé, Aline Mbé, miaque, miaque, réseau. Vous allez me faire quoi? Quand une femme croise, je dis quand une femme croise, elle ne peut même pas dire un mot. Mais parce qu'il y a la toile, vous vous permettez les cornes du clavier à dire, à me dire. La tablette que j'utilise pour faire mes vidéos, je l'ai achetée avec mon argent. C'est pas votre argent. Vous voulez faire les vidéos, j'ai légalisé les vidéos. Faites les vidéos. C'est pour ça que je vous ai montré comment on le fait. Mais quand vous faites les vidéos, dites des choses responsables. Vous faites les photos pour me, les vidéos pour me diffamer. Pour me faire des menaces de mort, je vais vous poursuivre. C'est de ça qu'il est question. La cacophonie virtuelle, je n'encourage pas. Je vais vous poursuivre.
faut rectifier l'ignorance des Camerounaises. Très important. Et toutes celles qui font ça, les deux mains, et je retire, ça fait mal. Vous allez me faire quoi? Je rigole. Vous allez me faire quoi? Mes lunettes aussi sont Burberry. Vous allez me faire quoi? Vous venez en Europe, vous prostituez, vous croyez que tout le monde est dedans. Vous vous habillez pour faire la concurrence avec les gens. Moi, je n'ai pas besoin de m'habiller. Ce que je porte est chic. Ça ne se pas chic. Je n'ai pas besoin de porter les habits des millions. Parce que ce que je gagne me permet de vivre. Je n'ai pas besoin d'aller faire n'importe quoi pour venir impressionner les gens. Mais quand je m'habille, c'est que voilà une femme. Non seulement elle est intelligente, elle en a, elle ne souffre pas. Vous faites les vidéos, vous restez chez les blancs, vous venez crâner sur le net. On vous connaît, on vous connaît. Vous vivez chez les blancs, vous faites les vidéos là-bas, et puis vous dites que vous êtes riche. Vous conduisez les voitures des blancs, vous dites que vous êtes riche. L'esclavage n'est pas fini. L'esclavage n'est pas fini. Parce que tu conduis la voiture du blanc, tu habites chez un blanc. Toi-même, tu n'as rien dans la tête. Même les petits pois, tu n'as rien dans la tête. Et tu dis que tu dépasses Aline Zombe. Vous contrôlez mes vidéos. Vous allez passer dans les médias quel jour? Vous avez même vu les émissions dans lesquelles je suis passée. On invite les prostituées là-bas. On invite les prostituées là-bas. J'enlève mes lunettes. J'aime aussi vous parler avec mes yeux. La misère. La misère, la misère, la misère. La misère n'est pas seulement financière, hein. Même intellectuelle. Il y a trop de cancre en Afrique. C'est décevant. Ça, c'est ma canne. C'est avec ça que je vous fouette la nuit. La canne, c'est. Hey, tchaï, boum! Continuez à venir, je vais vous percer les yeux avec ça. Je suis à votre niveau. Le jour où je vous dépasse la nuit, pareil. Et sur ce, j'ai rendez-vous. Parce que je suis retenue pour un casting, voilà, festival, un grand festival où 17 humoristes sont invités. Et je suis la seule noire. Puisqu'entre-temps, le reste, c'est des connes. Ils ne veulent pas apprendre le métier. Vous faites les vidéos pour injurier, diffamer. Rien avec ça. Au revoir.